we keep on. People. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part d'une information assez importante à mes yeux. Tout simplement, dans tous les cas vous l'avez bien vu et lu dans le titre. Je cherche tout simplement des modérateurs pour gérer un peu ma chaîne secondaire de course. Tout simplement parce que j'ai vraiment pas le temps de pouvoir faire des courses tous les jours et de pouvoir vous proposer du contenu tous les jours sur cette chaîne. Donc c'est assez chiant pour moi étant donné que j'aimerais bien vous partager des courses complètement what the fuck etc. Malheureusement j'ai pas le temps parce qu'il y a les glitchs, il faut que je m'occupe un peu de ma vie personnelle aussi. Faut que je m'occupe de ma chaîne principale, il y a mon groupe Facebook, il y a tout. Il y a un peu tout plein de choses à gérer, j'ai des montages qui sont en cours etc. J'ai vraiment pas le temps. Donc du coup je cherche des modérateurs pour gérer cette chaîne. Donc là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il va falloir faire sur cette chaîne? Alors là, déjà, c'est pas compliqué du tout. Donc il vous faudra tout simplement réaliser des vidéos de courses sur GTA 5. Donc des courses complètement what the fuck ou des courses qui font gagner énormément d'argent et d'RP. Et après, tout simplement faire un petit rendu avec de la musique par-dessus et de les upload directement sur la chaîne. Donc pour tous ceux qui voudraient devenir modérateurs de cette chaîne, donc déjà je tiens à préciser que je cherche deux joueurs PS3 et un joueur Xbox, comme ça je vais pouvoir faire un peu tourner tout le monde, c'est à dire je pourrais faire des courses, il y aura des vidéos de courses sur PS3 et des vidéos de courses sur Xbox 360. Donc déjà je tiens à mettre les choses au clair, je continuerai tout le temps à poster des vidéos. Moi je vais en faire des vidéos, j'en posterai, mais c'est tout simplement pour que il y ait vraiment du contenu à peu près tous les jours ou à peu près tous les deux jours. Parce que moi j'ai pas forcément le temps comme je viens de vous le dire. Mais moi je posterai au minimum peut-être une à deux courses par semaine. Comme ça vous sachiez que je suis bien là et que je ne vous abandonne pas. Donc pour tous ceux qui voudraient devenir modérateur, donc déjà il y a des conditions pour devenir modérateur. Donc déjà pour tous ceux qui voudraient, vous allez devoir m'envoyer un mail de candidature. Un mail, oui, donc vous m'envoyez un mail avec votre candidature. Donc l'adresse mail où envoyer cette candidature sera dans la description, donc pour ceux qui voudraient postuler. Alors qu'est-ce qu'il faudra pour pouvoir postuler? Donc déjà il va vous falloir un HDPVR, AVerMedia, Elgato, peu importe, à partir du moment où c'est un moyen, où vous avez un boîtier d'acquisition qui filme en HD, à partir du moment où vous avez ça, vous pouvez postuler. Après il faut être actif à peu près tous les jours. Après si je demande deux joueurs PS3 et un joueur Xbox, c'est pour qu'il y ait du monde, et si jamais vous ne pouvez pas upload une vidéo, comme ça une personne prend le relais, c'est pour ça que je demande. Et si jamais vous pouvez vraiment pas upload de vidéos tous les trois, ben je prendrai le relais, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas je vous demanderai tout simplement de passer et de mettre votre Skype dans cette candidature. Donc vous mettez votre Skype, votre âge, votre prénom, je vous demande pas de me donner votre ville. Ouais, on va dire, vous me dites, dans tous les cas, vous n'allez pas me dire votre sexe, de toute manière, avec votre prénom, je vais bien le voir, mais dans tous les cas, c'est juste une petite candidature. Donc, vous dites bien votre plateforme Xbox 360 et PS3, vous me dites si vous avez un micro, si vous, quel boîtier d'acquisition vous possédez, et qu'est-ce que je pourrais dire, votre disponibilité, si vous avez des courses, si vous avez déjà fait des courses what the fuck, si vous savez comment prendre des courses what the fuck ou complètement bizarre, comment les prendre et comment les trouver. Si vous le savez, dites-le moi, ça vous fera peut-être gagner des places dans le classement, parce que je vais faire un classement avec Vanger et on va sélectionner ceux qui auront le plus de chance et ceux qui s'y connaîtront le mieux dans ce domaine. Donc c'est-à-dire, il faut savoir chercher des courses what the fuck, comment les trouver. Donc je tiens à préciser que si vous jouez sur PS3, il va vous falloir trouver aussi des courses pour Xbox 360, donc c'est avec le Social Club. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant de tous ceux qui seront pris. Dans tous les cas, je vous enverrai un mail et je vous ajouterai directement sur Skype. Donc c'est pour ça que je vous demande de mettre votre Skype dans la candidature. C'est vraiment très important. Précisez-moi aussi si vous avez un micro sur Skype, comme ça on pourra parler. Donc je tiens à préciser deux choses. Si
les personnes viennent et postent une candidature tout simplement pour se faire de la pub pour votre pour leur chaîne, bah, écoutez, vous pouvez prendre directement la porte parce que ça sera pas le but. Vous aurez une place dans la sous-box, une place dans la description, certes. Je remercie toujours les personnes qui m'aident, ça il faut le savoir, je remercie tout le temps les personnes qui m'aident. Les personnes qui se foutent de ma gueule, je les envoie chier tout simplement. Mais les personnes qui m'aident sont toujours récompensées, bah moi je récompense toujours les personnes qui m'aident. Donc si jamais vous avez une chaîne, bah, je vous aiderai. Mais si vous cherchez tout simplement à vous faire de la pub en mettant votre chaîne en haut de la sous-box ou en mettant une grosse annotation sur les vidéos en disant allez vous abonner à ma chaîne, je peux vous dire que vous allez être viré tout de suite déjà. Et que bah, vous avez très peu de chances d'y revenir, même avec des excuses ou etc. Donc je tiens à le préciser directement. Dans tous les cas, pour les personnes qui seront prises, je le dirai sur Skype. Si vous cherchez à vous faire de la pub, c'est même pas la peine de poster candidature, de poster une candidature. Moi je sélectionnerai les personnes qui seront volontaires et qui feront ça pour m'aider et surtout pour le plaisir. Et comme je l'ai dit, j'aiderai. Ben moi je remercie tout le temps les personnes qui m'aident, etc. Donc vous aurez bien évidemment une petite dédicace, une petite pub, etc. Mais pas tout de suite bien évidemment. Je vais voir comment ça fonctionne. Et si je vois que vous gérez tous ensemble, et ben je vous ferai peut-être un truc ensemble. On fera peut-être une vidéo, etc. Je vais bien voir. Enfin bref, donc voilà, je vous invite vraiment à poster votre candidature si vous voulez vraiment faire ça pour le plaisir et pour m'aider. Donc l'adresse mail où il faut envoyer les candidatures sera dans la description. Donc je vous invite à envoyer vos candidatures si jamais vous êtes chaud patate pour m'aider. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, lâchez vraiment un maximum de likes. Et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne et aller rejoindre la chaîne 100% cause qui sera aussi dans la description et en annotation. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde. Addiction.